Dans un contexte particulier, quelle contribution pour la prise en charge des familles des FDS et des BDP tombées sur les champs d'honneur? C'était vraiment un défi majeur que le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, en abrégé mais pas, s'était donné au relevé. Et c'est sous ce signe que nous avons reconnu aussi le mérite des hommes et des femmes de paix. Nous signalons que les différents dossiers ont été proposés à travers les 13 coordinations régionales du départ. Et en gros, nous pouvons dire, sans se tromper, que toutes les régions ont été prises en compte dans la sélection des lauréats. De l'Est à l'Ouest, du Nord jusqu'au Sud, c'est pour le Burkina Faso. Toutes les composantes de la société burkinabé qui ont été distinguées, car c'est eux qui animent la vie active et qui sont attachés aux valeurs de paix et de réconciliation nationale. Nous avons également pensé aux familles des membres du MEPA qui, durant le parcours de notre association durant les 3 ans, ont abandonné car étant appelés à Dieu. Il s'agit du coordinateur du Centre Nord, Gazouan Flavien Sévro, et des candidats qui étaient le SG de la coordination de la Boucle du Monde. Au nom du MEPAP et du président, nous leur avons décerné, surtout à leur famille, les ayants droit et un trophée d'hommage. Nous avons également distingué d'autres trophées. Nous avons l'engagement de la jeunesse, qui a été décerné à M. Moun Diala, président du CNJ. La part du leadership, quant à lui, a été décerné à M. Ali Pompon, dit-Sassaville de la ville de Koudou. La part des OSC a été décernée à Okades Fada. La part de l'intégration, quant à elle, a été décernée à Mme Catherine Rose de l'ONG AMPO. Nous avons particulièrement, compte tenu de notre rôle d'amour de la patrie, décerné 3 trophées du patriotisme, à savoir à l'état-major général des armées, au chef des Douzos sans frontières, Ali Drago Dibong, à l'Ali Soumaïla Yoro, le VDP de Douroum de Tao, et en fait, le MEPAP ne pouvant pas décerner individuellement à tous ceux qui combattent pour la même cause, voudrait décerner ces trophées, le patriotisme de façon symbolique à ces lauréats